Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur les chemins où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur des places qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit : C'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Aujourd'hui, chers amis, pas de commentaire du jour, mais une simple phrase de réflexion, avec une petite minute que je vous invite à prendre en silence, dans votre cœur, et cette phrase, c'est une question. Est-ce que je résiste au salut de Jésus ? Bonjour, je suis Monseigneur Marc Hayet, évêque de Bayonne-Lescar-et-Luron depuis 15 ans dans ce beau diocèse. Et je suis heureux de partager avec vous une anecdote qui est plus qu'une anecdote, qui est un événement fondateur de ma vie, car il a été cet événement déterminant pour ma vocation à devenir prêtre, et finalement le Seigneur m'a appelé par son Église à devenir évêque de ce diocèse. Je suis né dans une famille catholique pratiquante, baptisé à 5 jours, première communion à 7 ans, confirmation à 10 ans, puis profession de foi à 12 ans. Nous étions installés à Rennes, je suis le 4e de 5 enfants, et j'étais en 6e. Et cette profession de foi était un événement important, alors que j'étais plutôt un enfant dissipé, très agité, dont les parents avaient canalisé l'énergie à travers l'inscription chez les scouts. Et j'ai fait ma première rencontre avec Jésus qui était, je pense, déterminante
pour toute ma vie. Devant mon petit coin prière, j'aimais le soir lire quelques pages d'évangile dans cette Bible qu'on m'avait offerte le jour de ma profession de foi, et je parlais avec Jésus. Et j'ai senti très fort dans mon cœur que Jésus voulait que je devienne son ami, et même que je devienne prêtre. Et je l'ai même écrit sur un petit papier que j'ai plié, caché dans un livre, et dont je n'ai parlé à personne. C'était mon secret avec Jésus. Et j'ai continué à être un enfant dissipé, agité, mais un scout qui progressait aussi dans la vie. En 1970, j'avais 13 ans, nous sommes partis à Paris, nous avons déménagé, j'ai fait toute ma scolarité dans l'enseignement catholique, et j'ai oublié à l'adolescence ce petit papier, cet événement si pourtant important pour moi, puisque c'était ma première rencontre avec Jésus. Et arrivé en terminale, j'ai décidé de faire médecine, et dans mon cœur, mon projet, c'était de me marier, d'avoir des enfants. À la fin de cette première année de médecine, une maladie, hépatite virale, un peu banale, qui me met au repos complet. Je peste de rester à rien faire. J'ouvre ma Bible à nouveau, que je n'ouvrais pas forcément très souvent. Je ne sais pas sur quelle parole je tombe, mais je sens être envahi par un sentiment d'amour et de paix. Et je m'entends me dire au plus profond de moi-même, « Tu seras prêtre !» Je pars, je commence cette première aventure de la communauté Saint-Martin, dont je serai prêtre par la suite, je deviens prêtre à 25 ans. Je commence mon ministère après des études de théologie à Fribourg, et un jour je vais visiter mes parents à Paris, et maman me dit, tiens, c'est drôle, j'ai fait des rangements, et j'ai trouvé un papier que tu as écrit quand tu avais 12 ans. Et elle me montre ce papier, qui me fait me remémorer tout ce que je vous ai dit précédemment. Je vous le lis, c'est la preuve de ma première rencontre avec Jésus, du premier appel que j'ai entendu, même si pendant l'adolescence, je ne l'ai plus entendu, mais le Seigneur, lui, a été fidèle, et il est resté fidèle aujourd'hui. J'ai 12 ans, je veux être prêtre, mon vœu est d'être prêtre. Seigneur, faites que je sois prêtre, aidez-moi pendant toute ma vie scolaire. À 18 ans, je veux rentrer au grand séminaire. Seigneur Dieu, encouragez-moi à être prêtre. Je suis heureux de vous partager ce petit signe qui prouve que le Seigneur a quelque chose, un projet pour chacun d'entre nous et qu'il y a des événements très simples dans l'enfance qui peuvent être déterminants et orienter toute une vie. Alors je vous souhaite un bon avant à l'écoute de la parole du Seigneur et un joyeux Noël.